Ah bah oui, moi ça m'inquiète énormément et d'ailleurs j'ai énormément communiqué sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines pour appeler les gens à voter et à voter contre le Rassemblement National. Donc évidemment que en fait en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que personne queer, en tant qu'alliée de plein de causes et de minorités qui sont complètement oppressées déjà dans un système qui n'est pas un système d'extrême droite, qui va très très mal, je vois pas trop comment faire autrement que d'inciter les gens à faire un barrage contre le Rassemblement National. Et c'est terrifiant de faire ce constat-là qu'en quelques années, le Rassemblement National est devenu aussi puissant. Et c'est très bizarre d'être sur scène au moment où, enfin, juste avant le moment où les résultats vont être donnés. Donc ça va être un concert, je pense, assez intense. Et moi, j'en parle énormément depuis le début et je m'en prends plein la gueule depuis le début, mais je ne veux pas regretter d'avoir été silencieux sur des sujets qui sont des sujets de vie, de questions de vie ou de mort pour des gens, quoi, en fait. Donc voilà.